Oui, de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici, monsieur le préfet? Voilà, on a retrouvé ici au port artisanal de Casonia 8 bâtons de pêche d'une société chinoise. Oui, oui. Ils sont venus clandestinement débarquer la nuit. Oui. Sans autorisation administrative aucune, ouais. En tout cas sans l'information préalable des autorités. C'est ainsi que ça a créé la panique. Ouais. Les gens n'ont pas l'habitude de voir les bâtons comme ça ici, ouais. Ils ont pensé aux rebelles. Effectivement. Donc ça a créé une panique. Ouais. Mais maintenant, là, après avoir vérifié, parce qu'une équipe de la sécurité est montée dans les bâtons pour s'enquérir de la réalité de son contenu. Il n'y a que des poissons périssables. Beaucoup de poissons sont déjà pourris, d'autres sont là-bas en instance. Ouais. Heureusement, nous avons pu mettre main sur les 8 bâtons et leur contenu et leur équipage, mettre à la disposition du ministère de la pêche et de l'aquaculture. Ils vont en direction de Conakry pour le reste des enquêtes et des auditions. Voilà. Donc ça veut dire que la population peut dormir tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rébellion, il n'y a rien. Il y a eu rébellion, hein, mais administrative. Ah, n'est-ce pas? Oui, oui. Ils se sont rebellés contre la décision gouvernementale. Ok, ok. Merci, monsieur le préfet. Le grand frigo qu'on a vu, le camion qui était là, avec témoignage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? En fait, nous avons cru que c'était du poisson parce qu'il était venu avec nous pour l'échapper, mais le pêche d'échappement n'a pas pu y avoir. On a regardé là-dedans, il n'y a que de la glace. Donc, les poissons sont dans les navires qui sont dirigés directement sur les poissons. Merci, chef. Je vous en prie. Oui, monsieur le préfet, juste une seconde. Et ceux qui ont été, les Chinois qui ont été pris ici, en fait, ils ont violé quel règlement de notre pays? En fait, le gouvernement, comme vous avez dit l'entendre, le ministre de la Pêche a dit qu'il a été, suite aux instructions données par monsieur le président de la République, à l'arrêt total des activités de la pêche artisanale par la pêche par les Chinois, le navire là ne devait plus faire aucune activité de pêche. Donc c'est toute une dérogation alors aux instructions. Et même s'il devait débarquer, il devait débarquer sous l'autorisation des autorités. Ce qui n'a pas été fait. Parce que au moment où on donnait les instructions, comme le ministre a dit, au moment où on donnait les instructions, ils avaient déjà pêché des poissons qui étaient malades. Mais venir dans un coin, dans un pays aussi que le nôtre, sans autorisation des élus locaux ou des autorités préfectorales ou nationales, est une dérogation. Donc à cela, il s'expose à la rigueur de la loi, on va dire. Comme on l'a dit, nous, si les navires de pêche en infraction passent devant la Commission nationale d'arraisonnement, qui va siéger, prononcer les amendes. Donc la population peut dormir tranquille, il n'y a pas de rébellion, il n'y a rien. Il n'y a pas de rébellion, comme vous avez dû le voir. Les populations ont raison de s'alarmer parce que quand vous voyez 8 navires qui se suivent avec des lumières, qui rentrent dans un bras de mer, on ne sait pas ce qu'ils sont venus, qui n'ont pas l'habitude de venir, qui n'ont pas l'habitude de voir. Les populations ont le droit de s'alarmer. Voilà la raison. Mais à partir du moment que nous avons tous vu la preuve que ces navires-là, on a envoyé les services de sécurité et de défense qui sont partis, qui ont fait la fuite, ils n'ont trouvé que du poisson. Les populations n'ont qu'à se rassurer. Il n'y a pas de rébellion. Ah, reprenez la présentation, vous êtes? Mais je suis le préfet maritime, Femme Radio Mandé. Ok. Merci, Elage. Je vous en prie. Merci bien. Sérieusement, mon frère, mon frère. Je suis un peu plus de temps. Donc on a voilà qui a conquis bien une nation. Quel modèle n'a rien mis par là. Montant on a rien voulu mettre. Et tant qu'à pour na de bien cané. Pour la bien mener a conquis bien voulu m'amener. Et ça faire la de barque musque mouillée tout. Maintenant il a eu la guinée fourrée là. Ma copine n'a rien à faire c'est tabou. Donc et toi malin fala a dit voilà garanti et na galiti bah ma dit là tu voilà na garanti. Na lawa shino ayen na ngala na wali barati ana reno ma fade woto ra dubere kabe ana ga dubere ke mangara ba na ga problem yo na na fa man
faut que je me fasse un peu de travail. Je me fasse un peu de travail.